Je me dis pas parce que j'ai économisé, parce que j'étais au travail, eh ben c'est pour ça que mes enfants ils mangent. Non, c'est pas du tout ça. Moi je me dis, puisque aujourd'hui tu as pensé à quelqu'un qui était démuni, qui n'était pas habillé ou qui n'était pas, je sais pas, puisque tu as pensé à lui, ben de l'autre côté, ben tes enfants forcément ils auront. Moi pour moi, tout ce que mes enfants ont, ça vient du travail que je donne à l'extérieur. Les gens ils disent oui, il n'y a pas le temps ou il n'y a pas d'argent, mais. Souvent, quand les traces qu'on doit laisser, c'est des traces qui peuvent être suivies par les générations futures. Et je pense que la richesse de l'homme, la richesse de l'homme, elle n'est pas dans ce qu'il possède, elle est dans ce qu'il est. Elle est dans ce qu'il est. Le soutien de la compagne qui comprend que tout ce qu'on peut faire à l'extérieur a un impact à l'intérieur. Si par exemple moi aujourd'hui je mets en place une ferme expérimentale, demain, si aujourd'hui mes enfants ils viennent dans cette ferme expérimentale, ils profiteront. Mais c'est vrai, ils profiteront, et puis à un moment, ils profiteront peut-être plus que les autres enfants. Donc pour moi, d'un côté, quand je fais quelque chose pour tous les enfants, quand je dis je le fais pour tous les enfants, moi je sais que mes enfants ils sont dedans. Maintenant quand je fais que pour mes enfants, eh bien quelquefois je donne pas ce que mes enfants recherchent et je fais pas non plus pour les autres. Les enfants ne vont pas hériter de la planète, mais ils nous la prêtent. Et à un moment, la responsabilité que j'ai, après maintenant que je fasse de grandes choses ou pas de grandes choses, ça sera jusqu'à la mort, la responsabilité que j'ai, c'est d'essayer de préparer quelque chose de meilleur pour mes enfants. Et en préparant quelque chose de meilleur pour mes enfants, c'est pas une présence physique au quotidien, mais c'est des idées. Des idées à reprendre une fois que je serai plus là. Et je pense que on est plus dans la transmission, on fait des héritages, on fait des héritages au niveau matériel, patrimoine, maison ou quoi. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est aussi important de faire un héritage intellectuel de la pensée ou bien de. Voilà, ça c'est pour moi, c'est la chose la plus importante. Moi je suis pas pour que tout le monde pense comme je pense, mais je suis pour que tout le monde puisse trouver à l'intérieur de lui la qualité qu'il a, qu'il va pouvoir faire partager avec les autres en rayonnant.